10 ans après la disparition d'Éric Tabarly dans la nuit du 12 au 13 juin 1998 en mer Celtique au large du Pays de Galles, nous avons lu bien sûr lui rendre hommage son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco. Merci d'être avec nous. Juste merci. Une question. Quel souvenir vous gardez d'Éric Tabarly, sachant qu'il a navigué sur le voilier Twiga du Yacht Club de Monaco avec vous? Absolument. J'ai eu cette joie et l'équipage de Twiga pendant cette régate a eu la joie d'être et l'honneur d'être barré par Éric Tabarly, que j'avais déjà pu rencontrer en d'autres circonstances, mais d'être sur un voilier avec lui et d'être barré par lui, c'était une expérience tout à fait extraordinaire. Alors c'est un homme d'une telle expérience et d'une telle... on sent dès les premiers bords qu'il sentait la mer comme personne. Mais c'était un homme, comme vous le savez, avare de paroles, et donc il exprimait peu ses émotions à ce moment-là, mais j'ai senti qu'il était heureux d'être là et qu'il était heureux de partager ces instants avec nous. Je crois qu'il disait que pour lui, Twiga était le plus beau voilier de tradition. Oui, je sais qu'il a dit ça. Il me l'avait dit aussi au moment de cette régate, mais il a dit aussi par la suite, et je crois que c'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire. En tout cas, Twiga continue sa vie et est un bateau vraiment exceptionnel qui lui aussi va fêter un anniversaire l'année prochaine, puisqu'il fêtera ses 100 ans, et nous l'aiderons à fêter ses 100 ans. En 2009, merci Monseigneur.